Yo, salut tout le monde, c'est Buscaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un mock Lego et oui, pour les nouveaux abonnés et pour ceux qui ne le savaient pas, avant je faisais des Lego et donc du coup il y a eu un petit peu de monde qui m'ont demandé ouais, pourquoi tu fais plus de Lego, est-ce que tu vas en refaire tout ça? Donc j'avais pas trop répondu sur la question sauf sur ma vidéo GTA où j'avais bien répondu à un commentaire et j'avais dit que courant fin de semaine, j'allais sortir quelque chose. Et donc voilà, c'est fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 3 jours parce que j'ai bossé là-dessus pendant 3-4 jours. En fait, pendant toute la semaine. Donc le thème c'est The Division. Donc pour ceux qui ne connaissent pas The Division, je vous conseille, je le mettrai dans la description, la bande-annonce, en sachant qu'il y en a eu plusieurs, enfin des trailers. Donc c'est un jeu Ubisoft où en fait c'est un monde un peu post-apocalyptique où on se bat dans New York et donc là j'ai reproduit je crois que c'est une gare, je vous montre, je vous afficherai des photos de ce que j'ai essayé de reproduire, donc c'est qu'une petite partie mais on va dire à échelle réelle pratiquement. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, la vidéo risque d'être assez longue, donc vous voyez déjà il y a un bon angle, enfin il y a vraiment une grosse vue d'ensemble, voilà. Vous voyez que les figurines sont quand même assez petites. Donc c'est un petit mock comme ça. Je ne sais pas si j'en referai. Enfin si j'en referai sûrement, mais ça risque pas d'être très courant sur ma chaîne. Hein. C'est plus basé sur le gaming. Hein. De toute façon maintenant, voilà. Donc ici on a les deux héros. Enfin, sachant que lui c'est le héros principal. Et puis elle c'est juste une coéquipière. Donc il y a la route, j'ai utilisé le même système que la route que j'avais faite dans mon mock Batman Arkham Knight. Bon ici en fait c'est ouais, c'est l'entrée d'une gare. Normalement les escaliers c'est je sais pas c'est 10 fois ça là. Enfin c'est vraiment énorme, de toute façon je vous mettrai les photos en même temps. Le pilier il est putain de gigantesque. Alors j'ai cherché sur internet un petit peu. J'ai cherché sur internet des piliers pour avoir des idées et tout, j'ai pas trouvé, donc du coup j'ai dû inventer ce pilier là et c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps. Donc en fait le plus long ça a été de faire la plateforme, le contour hein, qui reste un petit peu ma marque de fabrique, on va dire les petits détails comme ça là sur le côté puis les côtés arrondis. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, de vraiment définir une taille. Au début j'avais vu beaucoup plus grand, mais bon j'ai déjà galéré qu'en rapport à trouver toutes les pièces et puis la route aussi. La taille de la route, comment elle allait être, à peu près. Donc je vais vous montrer les figurines une par une, en sachant que j'ai racheté des nouvelles armes sur Brick for Kids, juste pour ce mock là en fait. Tac, donc j'avais un peu galéré pour la mise au point, donc du coup j'ai fait un petit truc vite fait. Donc là c'est le héros, vous voyez. Donc les nouvelles armes que j'ai achetées, c'est le petit M1911. Voilà, un modèle de la Seconde Guerre mondiale, pistolet américain je crois. Et puis la Vector qui est juste magnifique et l'une des armes principales du jeu. Petite Vector, donc tout ça j'ai acheté sur Brick for Kids. Voilà, donc le petit héros du jeu qui est plutôt sympathique. Ensuite, les joueurs BF et Call of Duty reconnaîtront la K12 qui est juste mortelle, putain de bordel, avec un petit M9. Voilà, arme de BF. Première arme de Battlefield. L'une des premières armes secondaires qu'on a dans BF. Et la petite sac à dos qui est juste magnifique, super bien détaillée. Et la petite fille, voilà, toujours avec un petit sac à dos, parce qu'ils ont des sacs à dos dans le jeu. Tac. Donc elle est plutôt cool aussi. Ensuite, on passe au méchant. Hop. Donc lui, il a une sale gueule. Puis c'est vrai que j'ai un peu galéré aussi pour les figurines. J'ai un peu tout paumé. Donc là, c'est une espèce de modèle de Kalachnikov, en fait. Hein. C'est une petite Kalachnikov qui est plutôt sympa. Hop. Je vous montrerai après les autres armes que j'ai achetées, dans ce genre, j'en ai pas acheté beaucoup. Hop, voilà un deuxième méchant qui est beaucoup mieux cette fois-ci, avec une petite M16 hein, qui me rappelle un peu Black Ops. Donc, la petite M16 est vraiment magnifique aussi, tac, avec une petite grenade de frag, toute simple. Hop. Et le petit dernier méchant, voilà, en 5 figurines, hop, avec un M911 pareil noir et puis une AK-47. Voilà, donc ça c'est plutôt assez stylé. Donc... qu'est-ce que j'avais d'autre comme arme? J'avais juste une petite AK-12 en noir. Une deuxième Vector. Tac, une deuxième Vector. À chaque fois que vous achetez sur Brick for Kids, ils vous donnent une arme gratis. Donc là, c'était un espèce de truc Halo, je crois.
Et puis deux autres petites grenades frag. Voilà. Donc ça c'était tout pour les figurines. Hop. Et on va repasser au mock. Donc vous pouvez voir que ça se passe en hiver, donc il y a de la neige un peu partout. Donc en fait la route, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire. Donc on va enlever les véhicules qui étaient juste là pour décorer, on va dire. Au début la route normalement est deux fois à trois fois plus grande que ça. Mais j'ai pu faire qu'un côté parce que sinon j'avais pas assez de pièces. Et donc je vous explique un peu ce que j'ai fait. Donc ça en fait c'est censé être la route, mais bon elle est enneigée, voilà, je savais pas trop comment faire. En fait, ici au départ, c'est une grosse route, et en fait, j'ai mis des flèches, voilà, pour passer sur la file de droite. Parce qu'ici, il y a un petit passage piéton avec des petits dodans comme ça sur les côtés. Donc, j'aime beaucoup comment j'ai fait les dodans. Alors, attendez, je vais vous montrer un peu plus près, en espérant que le focus soit pas dégueulasse, même si je le sais qu'il bon, est un peu dégueu. C'est vrai que putain, le focus sur l'iPhone, il est assez immonde. Bon bref, on s'en bat les couilles. Donc c'est un espèce de... Enfin voilà quoi, c'est juste... Juste comme ça. Donc c'est plutôt assez stylé. Donc en plus c'est tenu par des petits crans. Donc c'est le même système que j'avais fait sur mon ancien mock, Batman, le dernier que j'avais fait. Et depuis un an, voilà, on y retourne. Tac. Donc ensuite un peu plus loin, donc il y a le trottoir d'en face. Toujours avec la neige, donc j'espère que ça rend bien, hein, vous me direz. La neige qui est sur la route, voilà. Espèce de petit graphe hein, que j'ai fait avec plusieurs pièces. Tac. On a des petits journaux un peu partout pour montrer que c'est un peu l'apocalypse, voilà, c'est un peu le bordel. Bon, même si sans l'apocalypse, il y a quand même des journaux par terre. Ici, des espèces de petits dodans, vous savez, enfin, quand on garde notre voiture voilà, pour la protéger. Là-dedans, il y a un putain de foutoir. Hop, je vous montre un peu les parties les moins intéressantes et ensuite on passera au bâtiment. Ici, un putain de foutoir avec une table de craft, juste pour le lol. Voilà. Tac. Donc, c'est un peu le bordel, pareil. Les escaliers. Que dire? Ils sont assez hauts quand même, hein, vous voyez, de toute façon. Avec, pareil, des petits morceaux de neige un peu partout. Ici, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est en fait, c'est des espèces de projecteurs cassés. Donc, ils sont un peu en biais. Un peu partout. Voilà, donc là il y a un espèce de petit pot de fleurs. Une cagette. C'est quoi verrouillage AEF? Ok, j'ai pas trop compris. Donc ouais, c'est une espèce de petite. Je sais pas comment on appelle ça, une petite cagette en bois là. Tac. Une palette. Une petite palette en bois. Tac que j'avais mis là. Pareil que sur le wallpaper que je vous ai montré au début. Et donc ici on a un putain de gros pilier qui est juste ultra massif par rapport à une figurine. Bah c'est deux fois une figurine à peu près. Hein. Et donc ça ouais j'ai pas trouvé trop sur internet des piliers de la taille que je voulais, donc du coup j'ai dû me casser la tête et c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps à trouver le concept. Ici on a un petit burin, vous savez, pour casser les portes et tout. Donc voilà, ça c'est un truc que j'avais retrouvé, que j'avais fait depuis très très longtemps, que j'ai retrouvé, donc je l'ai mis juste là pour décorer. Bon, en dessous c'est pas folichon, hein, c'est un peu de la merde d'ailleurs. Derrière, je vous montrerai, mais c'est immonde. Enfin, c'est vraiment pas beau. Mais voilà quoi, donc c'est un gros bâtiment, mais en même temps c'est pas... Ouais, si, c'est gros, mais... Mais c'est pas, je sais pas, je trouve pas les mots, mais c'est plutôt assez gros quand même. Donc j'espère que je me suis surpassé, j'espère que j'ai pas trop aussi perdu la main. Tac, avec le petit réservoir d'eau ici. Tac. Donc après, me demandez pas pourquoi il y a un renfoncement ici, c'était vraiment, j'ai fait vraiment au maximum pour ressembler à la photo. Bon après, il y a des choses, là par exemple, il manque un étage, mais j'avais pas assez de pièces pour le faire. Donc j'ai été obligé de me restreindre sur certaines choses. Voilà, c'est normal. Hop. Comme au niveau de la taille, on se restreint. Voilà, alors attendez, je vais juste un petit peu réavancer. Tac. Voilà, nice. Donc sinon, ouais, ça fait une grosse, grosse maquette. Alors, je sais pas si on peut parler d'un mock au niveau de cette envergure. Peut-être un diorama, je sais pas. Et derrière... Oh, sa mère. Putain de lourd. Et derrière, c'est immonde. Voilà. Donc là, on a un morceau de trou pas fini que je voulais reboucher, mais bon, m'en fous en fait.
Et puis bah ouais voilà quoi, c'est comme ça derrière, hein. C'est un peu de la merde, c'est moche d'ailleurs, mais bon on s'en fout, c'est le derrière. Ce qui compte c'est vraiment le devant quoi. Mais c'est vrai que je suis plutôt assez content de ce que j'ai fait avec les petits. Je vous ai pas montré ici les petits détails là sur le mur, les petites vitres et tout. Non ça je suis plutôt assez content de ce que j'ai fait pour le coup là. Hop, donc on va le remettre là. Tac. Et puis surtout ma petite figurine. La petite figurine de The Division là. Qui est juste magnifique. Donc on va la mettre ici. Hop. Tac, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires pour me dire si vous kiffez les Lego. Et puis bah, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et qui n'étaient pas au courant. Et oui, les Lego, c'est bien aussi, hein. Il n'y a pas que les jeux vidéo, et c'est pas pour les gamins, hein. On peut faire des trucs super avec. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime bien, un commentaire, comme je vous l'ai déjà dit, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.